Une prise de parole moquée. Mardi 31 janvier, à l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau est revenue sur un sujet important à ses yeux, la retraite des sportifs. Que va faire Mbappé après 50 ans? Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière quand il serait senior, a-t-elle notamment signalé sur place, précisant par la même occasion que le vieillissement des sportifs est un réel sujet. Un sujet qui a non seulement amusé certains députés, à commencer par Pierre Rondeau qui, auprès de France Info, a rapidement contesté cette prise de parole. Pour cause, ce dernier a notamment estimé que cette intervention de Sandrine Rousseau la dessert totalement en utilisant le cas de Mbappé. Aux yeux de l'économiste, le joueur français peut déjà mettre de côté et terminera très certainement entraîneur ou consultant par la suite. À cela, certains internautes ont également partagé quelques mots sur le sujet. Quand l'éminente professeure d'économie de Sciences Po Lille Sandrine Rousseau parle de précarité des anciens sportifs, elle prend l'exemple de Mbappé. Humour au 25e degré ? C'est notamment questionné un utilisateur de Twitter. Supérieur à Éric Zemmour, Sandrine Rousseau. Les 20 personnalités politiques les plus influentes sur les réseaux sociaux. Sandrine Rousseau cache sur ses propos présentes ce mercredi 1er février sur les ondes d'Europe 1. Sandrine Rousseau a eu l'occasion de revenir sur ces mêmes propos. Face à Sonia Mabrouk, la députée écologiste a partagé quelques mots sur sa prise de parole. D'après ses dires, cette prise de parole était parfaitement calculée. C'est une boutade, une plaisanterie pour réveiller la droite parce que dès que je parle de milliardaires, paf, tout le monde se réveille, c'est très bien, a-t-elle fait savoir à la journaliste. Précisant, par la même occasion, que sa prise de parole a ainsi pu soulever le sujet méconnu des sportifs et de leur retraite. Pour cause, aux yeux de la députée, ces derniers exercent des métiers qui abîment beaucoup le corps et nécessitent donc une attention particulière. Crédit photo, capture d'écran LCP.